Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Microsoft Visio. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment insérer des liens hypertextes dans Microsoft Visio. Pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet Insertion. Et dans Insertion, je vois ici Lien hypertexte. L'icône est grisée car je n'ai sélectionné aucune forme. Donc, je vais sélectionner par exemple cette forme. Et vous voyez que du coup, l'icône n'est plus grisée. Je clique dessus. Ici, dans Adresse, j'ai deux possibilités. Soit je mets une adresse vers un site Internet, soit une adresse qui pointe vers un fichier sur mon ordinateur ou mon réseau. On va commencer dans un premier cas à créer une adresse Internet. Donc, je vais mettre www.fausseformer.eu et je clique sur OK pour valider. Quand je vais passer la souris sur la forme, vous voyez que j'ai une sorte de globe avec une chaîne pour dire qu'il y a un lien. Et de même, vous voyez le http://www.fausseformer.eu. Et en dessous, CTRL-CLIC pour suivre le lien. Donc CTRL-CLIC gauche. Et j'ai la page qui s'ouvre. Si je souhaite, sur cette forme, donc je la sélectionne, sur cette forme, faire un lien vers un fichier. C'est le chef de service du service commercial, vu qu'il y a deux vendeurs, et je veux un fichier commercial. Je vais cliquer sur lien hypertexte, et cette fois-ci, plutôt que d'écrire l'adresse, je vais faire parcourir, et je vais dire non pas adresse internet, mais vers fichier local. Et je vais chercher le fichier qui est sur mon bureau. Il n'y a pas de fichiers à part les fichiers visio. Donc, je vais sélectionner ici tous les fichiers. Et je vois ici bénéfices. Et je fais ouvrir. Et vous voyez, du coup, j'ai la description et le nom du fichier. Je fais OK. Pareil, quand je pointe avec ma souris, vous voyez que j'ai le nom du fichier et faire CTRL-CLIC pour suivre le lien. J'appuie sur CTRL-CLIC. J'ai un message de sécurité qui me demande si je veux ou pas continuer. Donc ici, il n'y a aucun problème sur ce fichier, je fais oui. Et voilà mon fichier Excel bénéfice qui vient de s'ouvrir. Autre possibilité, cette fois-ci, c'est plus dans l'adresse, mais dans sous-adresse. Ici, quand je fais parcourir, c'est un lien vers une autre page. Donc, si je veux, je vais annuler. Vous voyez que j'ai ici page 1 et une page 2 avec le, par exemple, vendeur Dupuis et plusieurs clients et je veux aller directement vers ce document. Donc, je vais faire cliquer sur Dupuis, faire lien hypertexte, non pas adresse mais sous-adresse, parcourir et ici il me dit page 1 ou voilà, page 2. Et s'il y avait des noms de formes, je pourrais même faire vers une forme. Je peux choisir aussi le zoom, zoom par défaut, 400, 200, 100, 75, etc. Donc je vais mettre zoom par défaut, je fais OK, je valide. Je peux mettre une description, on va dire. Je vais mettre page 2, client de Monsieur Dupuis. Je fais OK. Et maintenant, si je fais toujours le fameux CTRL-CLIC, vous voyez que je vais directement à la page 2. Voilà, maintenant vous savez mettre un lien hypertexte vers une page, vers un fichier, vers un site internet. Dans Microsoft Visio. La leçon du jour est terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation de Microsoft Visio.